Mon nom est Vevey. C'est comme ça qu'on m'appelle dans ce groupe, dont les membres ne se connaissaient pas il y a encore 3 mois. Saviez, un nerveux au cœur tendre. Delémon, une armoire à glace, expert en système de communication. Alors à présent, je vous demande de tous mettre votre natel dans le sac, vous allez tous nous filer votre pin. J'ai rien compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Plan Liwat, une grande gueule et un grand corps, spécialiste en explosifs. Attention, ça va péter. Nous avions tous en commun d'être des antispécistes convaincus, prônant la désobéissance civile. Et celui qui nous a tous réunis, c'est lui, le professeur. Sabías, Plan Liwat, bebé, compañeros, gracias por estar aquí. Todavía falta Delémon, pobrecito, le queda bastante camino. Habéis sido elegidos para un golpe muy especial. No un pobre sitting de hippies delante de un matadero, no. El mayor atraco que jamás se ha visto en su vida. Je m'excuse, mais on parle pas italien, en fait. Le 24 janvier, c'est le jour de l'indépendance vaudoise. Le jour de l'année où on consomme le plus de papier vaudois. Ensemble, nous allons mettre un terme à cette barbarie en attaquant la Fabrica Cantonale de Papier et ainsi sauver des milliers de porcs d'une mort certaine. Non, mais il y a vraiment que des vaudois pour bouffer un truc aussi horrible. Et en Valais, vous raclez bien du fromage fait avec du lait volé à des vaches innocentes. Tu veux qu'on parle de la longeole? Et c'est quoi ton problème à et toi, toi là, c'est quoi? Oh, plus t'as vu là, t'arrêtes pas de me casser. Arrête, on se calme, t'entends? Bébé, s'il te plaît. Toi, tu m'as fait baiser, toi! Si on veut y arriver, il faut suivre mon plan à la lettre. Tout d'abord, nous allons prendre en otage les clients et les employés de la maison des papiers. Ceci est une prise d'otage! Crachez les animaux morts que vous avez dans la bouche! Nous déclarons ce lieu vegan! À partir de ce moment-là, règle numéro 1. Gardez son calme. On va tous mourir! Bien ou bien? Carrément. Règle numéro 2. Pas de bandes de sang inutiles. Pourquoi t'as choisi ce métier? Hein? Pourquoi répandre pour du cul? Ça n'est plus la paix, c'est pourri ou quoi? Mais pourquoi il a choisi ce métier? Non mais... pas une babouche défoncée aux huiles essentielles qui va me donner des ordres, c'est clair? Et enfin, règle numéro 3, pas de relations intimes entre vous. Puis, vous accéderez à la chambre blindée. Mais c'est une planche à boyau. Elle tourne 24 heures sur 24. Vous la désactiverez en appuyant sur le bouton où c'est marqué off. Non, je peux pas me parler. Donnez-moi, c'est maintenant. Je peux pas toucher, me parler. C'est à toi de faire maintenant. Allez. Puis, les forces de l'ordre vont débarquer. Ne vous méprenez pas, camarade. Ils vont mettre le papier. Le paquet. Il est là. Au nom de la coexistence interespèces et du droit à la vie, nous exigeons l'interdiction immédiate de la production, la vente et la consommation de saucissons sur l'ensemble du territoire vaudois. Vous savez que le brouilleur de voix que vous utilisez ne cache pas le fait que vous avez un fort accent espagnol? Ah, j'ai fait peut-être semblant d'avoir un accent espagnol. Très bien. Alors essayez un autre accent pour voir. Pour entendre, vous voulez dire? On ne peut pas voir un accent.
Sauf un accent circonflexe. Les accents circonflexes n'existent pas en espagnol. Et si tout se passe comme prévu, on se retrouve dans 10 jours dans la Drôme à confectionner des quiches et à siroter des gazpachochos. Des gazpa quoi? Des soupes, Savièse. Des soupes. Oui, mais voilà. Rien ne se passe jamais comme prévu. Là, je vais de ménage, le bouillon, le toché, les striflats, le... Ça va, bien.